Mathieu, j'aurais voulu te poser encore une question concernant effectivement la facilitation de l'accès du public à la VR et aussi la question de l'expérience individuelle ou collective. Et si, voilà, c'est une interrogation, enfin quelque chose sur quoi vous vous interrogez dans la recherche de modèles business pour la VR. Ben alors disons que il y a mes interrogations personnelles et puis il y a la boîte pour laquelle je travaille. Donc on est, je crois que ça vaut quand même la peine de présenter un petit peu le plan qu'on a mis en place, puisque c'est une approche qui est une approche d'une société de jeux vidéo qui a décidé d'investir massivement dans la réalité virtuelle, non seulement au niveau du jeu vidéo, mais aussi au niveau du film. Donc je pense que là il y a quelque chose d'intéressant à dire, puisque c'est une approche qui est pas du tout une approche de mécénat, mais qui est purement une approche business, donc qui se veut avec une rentabilité à court terme sur la réalité virtuelle. Donc voilà, le principe en fait, et sans vouloir contredire ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire qu'il y a peu de casques qui sont disponibles, en tout cas des casques avec du tracking positionnel, et effectivement d'ici 5 ans on aura des casques qui seront basés sur des téléphones et qui feront des choses extraordinaires et qui pourront vous permettre de vivre des expériences non seulement interactives mais avec du déplacement dans l'espace, etc. etc. Donc je pense qu'il y a vraiment ces genres de choses qui arrivent, mais l'approche qui a été choisie chez Starbreeze est de se dire qu'il y a un moment donné où on a quand même envie de... il y a ces 5-7 ans, et ça va sans doute continuer après en amenant du contenu de plus en plus immersif, extraordinaire, etc., où on pourra amener les gens vers la réalité virtuelle et non pas nécessairement distribuer à la maison de la réalité virtuelle ou sur leur téléphone. Donc ça, c'est l'approche qui a été choisie, qui est de se dire, voilà, on a envie, à un moment donné, d'amener les gens à un endroit et de leur proposer de la réalité virtuelle de très très haut niveau, qui ne pourront pas s'offrir à la maison, en tout cas une expérience différente. Et cette approche, eh bien, elle inclut plusieurs choses. Elle inclut du développement technologique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut proposer une expérience visuelle au niveau du son, de l'environnement, etc., que vous ne pouvez pas avoir à la maison, c'est-à-dire un casque, un tracking avec un espace de tracking énorme, avec plusieurs personnes qui peuvent être ensemble dans la pièce, quelque chose que vous ne pouvez pas nécessairement faire dans votre salon. Hein. Alors, ça dépend des gens, évidemment, mais bon, ce n'est pas pour tout le monde. Et également pousser le contenu jeux vidéo et films. Donc voilà. Donc Starbreeze en fait a développé un casque qui a une résolution bien plus importante que les casques qui sont disponibles sur le marché, a mis en place des systèmes de tracking, etc. Donc il y a tout un package technologique qui vient à dire voilà, on vous offre une expérience différente de celle que vous avez à la maison, et pour ça on vous fait venir à un endroit qui est une forme de cinéma en réalité virtuelle, si vous voulez, ou de réalité virtuelle, mais qui est en fait plus proche d'une forme d'arcade. Hein. Donc c'est, vous n'êtes pas nécessairement assis, vous pouvez vous déplacer, il y a des jeux, il y a différentes configurations. On a ouvert le premier centre, donc le IMAX VR, qui est donc partenariat entre Starbreeze et IMAX, qui a été ouvert à Los Angeles, qui est un centre test, donc ça a été ouvert le 6 janvier. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, qui est basé sur le réseau d'IMAX, en se disant voilà, il y a 1200 cinémas dans le monde qui sont équipés IMAX, pourquoi pas à un moment donné arriver proposer des espaces de réalité virtuelle à côté de... parce qu'il y a déjà eu les négociations auprès des exploitants de salles, etc. avec IMAX, et donc pourquoi pas mettre des espaces dans tous ces cinémas. Il y a cette volonté-là, plus d'autres centres de réalité virtuelle. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver, de dire, voilà, on arrive avec un contenu premium. Et nous, on essaie de pousser justement vers des films qui sont un peu différents de ce que vous pouvez avoir sur votre téléphone, et notamment en termes de qualité d'image, qualité d'immersion, et ce genre de choses, pour proposer un contenu qui va attirer les gens. Et une des choses, évidemment, sur lesquelles on se base pour attirer les gens dans ces centres, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi d'arriver avec des IP qui sont des IP qui touchent les gens. Donc le but, c'est d'avoir Star Wars dans ces centres parce que c'est ça qui ramène un maximum de gens. Donc évidemment, ça va peut-être un petit peu à l'encontre de ce qui est abordé ici, mais il y a une volonté à un moment donné de se dire pour que ces cinémas fonctionnent, il faut qu'il y ait du contenu qui attire les gens, et ce contenu, il doit être basé à un moment donné sur des gros films. Donc voilà. Et après, on ne fait pas que ça, c'est-à-dire que pour le moment, on a deux productions en cours qui sont en train de montrer en fait aux studios hollywoodiens. Donc on est en discussion avec les studios hollywoodiens pour leur montrer qu'avec notre technologie, avec le pipeline qu'on est en train de mettre en place, ils peuvent dériver, si vous voulez, des films VR directement de leurs films sans devoir changer leurs assets. C'est-à-dire si je fais Transformers, ben moi je peux prendre
tous mes assets de Transformers, tout ce que j'ai développé pour mon film, et je fais un rendu différent, et j'ai mon film réalité virtuelle. Donc ça me coûte autant, ça va me rapporter autant, et voilà. Donc dans une approche plus, qui est finalement assez, assez pragmatique de la chose, voilà, c'est ce que nous on propose en tant que nos zones, donc dans la structure Starbreeze. Mais après, on est aussi en train de pousser des productions françaises, et donc là pour le moment, je suis sur une prod avec avec du financement belge, avec de la réalisation ici en Belgique, etc. Donc il y a pas que ça, mais nous on croit fortement sur une approche où on a vraiment les gros studios qui rentrent dans le jeu à un moment donné pour que ça fonctionne. Voilà, et on a vraiment l'impression que le cinéma en réalité virtuelle, ça va fonctionner. En tout cas, peut-être pas pour 30 ans, mais peut-être pour une dizaine d'années, en tout cas. Voilà.